premier jour à Key West. Lou avec nous. Salle de sport. Review. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. I'll be on the drums. Ya no tienes cosa. Hey guys! Ho ho ho! Hey, oh. hey! Miami style. Miami vibes. Allô, on est ici à Miami, mais actuellement à Key West pour deux jours et ensuite. Pour deux nuits. Pour deux nuits et ensuite. Et ensuite, on va à Miami pendant cinq jours. Miami Beach. Et en fait, on est venu ici avec Lou, Emmanu et nos agents, du coup, Abdel et Manon. Et on est venu ici pour shooter avec Shein. Toutes les quatre, nous sommes du coup les ambassadrices cette année. Et donc là, on est venu shooter la collection de printemps. Punti Punto, t'as failli oublier un truc là. Quoi? On est de retour sur YouTube. Ah oui, c'est vrai, on a fait une grande pause sur YouTube. Pour savoir un peu si on voulait continuer ou non. Et du coup, on se mettait pas mal de pression par rapport à YouTube. Et du coup, on a envie de revenir sur YouTube. En fait, c'était reculer pour mieux sauter. C'était devenu genre, on faisait des vidéos pour faire des vidéos. Et ça nous plaisait plus, genre il n'y a plus d'intérêt. Et donc là, ça nous manque de charger sur YouTube, de vous répondre et tout. Donc voilà, on reprend les vidéos YouTube avec ce vlog. Encore une fois. J'entends ces voix tout près de moi qui chuchotent dans mon crâne. Le temps qui passe, les visages fans, mais je reste imperméable. Par contre, je suis dégoûtée. J'avais fait une commande de chaussures d'été et en fait, je sais pas ce qu'il y a eu, elle a été bloquée. Bref, je l'ai pas reçue. Donc, du coup, j'ai déjà vite m'acheter des Havaianas. Mais vous connaissez, si vous avez des pieds qui transpirent, je suis pas sûre que ça maille. On verra bien. L'appétit va tout va, quand l'appétit va tout va, vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent. Bon, ça a été le rush, on est vite parti se changer pour le sunset. Et après, on a voulu aller sur une vue, mais en fait, il y avait tellement de monde que c'était impossible. Donc, vite et vite, on a couru alors qu'on est en dallant pour trouver un point de vue où il n'y a personne pour pouvoir shooter pour les photos pour le coucher de soleil. Voilà. Et là, je pense qu'on va pas tarder à aller manger. En fait, on passe notre journée, à shooter et à manger. Bon, notre passion du coup c'est de manger. Quand l'appétit va tout va, quand l'appétit va tout va. Ce matin il est 7h, Anne et moi on est les premiers levés. Oh, ah non, mais attendez, il faut qu'on vous montre la lumière. Attends, vas-y, ton dos. C'est sûr qu'on a les gueules du réveil. C'est une golden hour à l'envers. Hello guys! Aujourd'hui on est mardi, on part de Key West et on va à Miami. J'ai trop hâte. Et là, franchement, on s'est fait une petite miracle morning ce matin. Parti à 7h faire le sport. Et là, il est 9h30, on a déjà déjeuné, fait notre sport. On a quasiment fini nos valises. On a fait d'autres photos. Après, on fait vite d'autres photos. Oh, mais merde, je mets mon doigt en fait. Oh, ben. Franchement, on est trop heureuse d'être ici. Genre, c'est Miami. Genre, on n'aurait jamais pensé dans notre vie aller à Miami. Je vous jure, c'est encore pire que New York. Genre, c'était encore plus impensable que New York. Ça y est, là on est prête, on a déjà commencé à shooter ce matin et là on part de Key West pour aller à Miami. Mais franchement Key West, genre c'est grave un mood, j'ai adoré cette ville, j'ai kiffé de ouf. Ah ouais, c'était trop bien. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal but this won't. J'étais tranquillement en train de faire des photos pour admirer ce paysage qui est magnifique. Bon déjà il y a Keep Out et regardez ce que je vois. Genre une tête de poupée. De faire du vaudou, c'est pas possible. Non. Quand partira tout ce jour, alors j'en tape de vos discours. Vers le bonheur, moi je cours. Ce soir, bien arrivé à Miami. Ma
Magnol se moque de moi parce que je me suis mis genre en bustier et mini short et paillettes. Elle me dit un jour, je t'ai mis dans le mood genre Miami vibe ou quoi. Du coup, là, on est parti au supermarché faire des courses. Hein? Non, j'ai pas froid. Non, bon, ouais, il fait chaud, hein. Il fait plus chaud qu'à Key West. Ah, dans le supermarché? Non, ça va. Et du coup, là, on va faire des courses pour le petit-déj, etc. Comme ça, le matin, on peut déjeuner tranquillement à la maison. Notre manager, Gucci. Allez, c'est moi. On est les trois, on passe nos vies à avoir faim et à vouloir manger. Sauf que les autres filles, elles n'ont jamais faim en fait. C'est des petits oiseaux. Du coup, on doit attendre qu'elles ont faim pour pouvoir manger. Là, on est rentré dans des courses, on a posé les affaires et on va manger à Alan Guys. Il y était à New York et franchement, c'est grave bon. Et donc, du coup, on mange sur le pouce et après, on va dormir. Je vous jure, le matin, c'est super tôt, du coup, le soir, on est trop KO. Enfin, ce matin, on s'est levé à 6h. Mais normal, hein. Ça y est, premier vrai jour à Miami. On va enfin découvrir. J'ai trop hâte, ça a l'air juste trop beau. Là, il fait hyper chaud, hyper beau. Je crois que je suis déjà amoureuse de cette ville. On shoot chacune notre tour. Là, c'est au tour de Lou. Anaïs, ça va finir. J'ai shooté devant l'hôtel de Scarface. Ceux qui ont vu, qui ont la ref. Là, c'est au tout début la première scène. Sauf qu'ils l'ont transformé en CVS. C'est là quand tu montes tes escaliers et tout là, ça part, ça part en vrille. Bah, c'est ici. Et c'est un CVS quoi. Bon appétit. Tout ça pour toi. Ah. This is small Nutella. Small Nutella. Yeah, with M&M's. No, this one's without M&M's. Ok. Ah, we fought anything, c'est Manon. Thank you. Alors, verdict. Elle est trop bon. Ah ouais? Ça a le goût la vidéo, c'est ouf. Je sais pas si vous vous souvenez, on était venu voir un match de basket aussi à New York City. Et ben là, c'est quasiment pareil, ça fait un point à les Miami Heat. Et je vous jure, c'est le dernier match ici, il y a de la nourriture partout. C'est immense, il y a un choc immense. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. J'ai fini, on a perdu, enfin les Miami Heat ont perdu, mais franchement c'était trop bien, on s'est régalé, on a trop bien rigolé et on a réussi à passer à l'écran, chose très importante. Et maintenant, retour à la villa. On est à Little Havana, donc c'est le quartier cubain de Miami genre. Le mec il tourne vers chelou. C'est hyper connu, en fait c'est dans Little Havana, vous avez une seule grande rue qui s'appelle la Calle Ocho et c'est vraiment là où il y a tous les cubains etc. Et c'est hyper connu parce qu'ils font, ils jouent au domino, voilà, ils jouent beaucoup au domino ici. Là on va voir le Wynwood Waltz où il y a plein de maisons de toutes les couleurs avec plein de tags. Là par exemple c'est un peu compliqué parce qu'on est à Wynwood, c'est plein de couleurs et la tag aussi est colorée. Elle est colorée donc du coup c'est un peu compliqué à shooter. Mais en soi, par contre, c'est hyper beau. Je trouve que les je sais pas ce que t'en penses, les graffitis sont plus beaux ici qu'à Los Angeles. Totalement, ouais. C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus travaillé. Ouais, beaucoup plus artistique. Et là, du coup, on va prendre le goûter. Oui. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent. Quand l'appétit va, tout va. Bon, ce matin, on a essayé de dormir parce que c'était un peu une journée de chill et on n'a pas réussi. Ça va, on se levait à 8h, mais là il fait hyper froid, il fait genre 13 degrés, du coup on se gèle un peu les coquillettes. On se lève au sport et on va faire une bonne petite séance. Savoir que là, la plus longue pour les shoots, c'est Emmanuel Curo. Elle vous fait prendre 300 à 400 photos pour une photo qu'elle va choisir dans les toutes premières, mais elle vous fait toujours offert. Voilà, c'est la plus dure. Quand elle nous dit, venez me shooter, on a peur. Bah oui, je suis la plus chiante. Je pense qu'on a une moyenne de 500 photos pour un voilà, rien que ça. 10 prises vidéo. C'est
me fait beaucoup rire. Donc ça qu'on pense. C'est magnifique, c'est le genre de meuf qui se prend les portes, qui oublie son sac, qui se fait tomber. Ouais, c'est le genre de fille là, voilà. C'est elle. Du coup, tous les jours, elle donne toujours une nouvelle. C'est très drôle. Bon, finalement, il faisait pas assez beau pour aller à la plage. So, on a annulé la plage. Et là, on est parti dans une mall, ça s'appelle Dolphin Mall. Et après avoir mangé un petit déjeuner, j'ai déjà faim. Donc voilà, et il faut qu'on se serve surtout pour vite trouver un sac de voyage avec Manon parce que sinon il n'y a pas tout qui rentre à la valise. Bon, aujourd'hui c'est le dernier jour complet. Que demain on rentre dans une journée, je crois qu'on a l'avion. Et donc là ça va être. J'ai pris ça parce que là, j'ai oublié de me démaquiller pour les photos ce matin. Ce matin on a shooté. Donc je vais me démaquiller. Et du coup là c'est playa. Alors on tente. Parce que là il fait froid. Mais j'entends avant les cabanes. Les cabanes très connues de plage. Bon, il fait pas très très chaud, mais bon, on va quand même tenter la plage parce que ressortir blanche comme on ça, se gèle. On se gèle. Mais en France, on a un maillot, on va aller bronzer. Voilà. Ah, comment nous, on est blanche. Voilà les fameuses cabanes sur Miami Beach. Et il y a ça tout le long et de différentes couleurs. Alors notre agent a eu la merveilleuse idée de me dire de mettre de l'huile. Voilà. Voilà, je n'ai pas chaud. Hein. C'est juste ma marque. Feu rouge écarlate. Non mais. Non mais elle m'a dit. Elle nous a dit. Mais non mais mettez de la crème parce que vous êtes blanche. Je comptais mettre de la crème solaire moi, d'accord? Elle m'a dit mettez de l'huile. Non mais je suis rouge les gars. Oh, j'ai vraiment la tête de touriste. Heureusement que j'ai fini tout et qu'on rentre demain. Ce soir, dernier soir, ça y est. Pourquoi c'est pile poil le jour où on part qui fait un grand soleil, oui, grand ciel bleu, genre zéro nuage. Zéro nuage. Hier nous on s'est tapé des nuages tout le long de la journée et du vent tout le long de la journée. Donc dans les instants on est parti à pied toutes les deux. À moi donc on est à Miami, à l'OCVS. Maintenant j'ai qu'une envie c'est de revenir. Mais pourtant on est difficile aussi en voyage. Mais alors là, franchement, New York et Miami, et j'aurais pu le faire une fois dans sa vie. Ça ne s'est pas jamais comme prévu. Il y a des problèmes d'enregistrement, pour qu'on le paye, c'était pas prévu. Mais voilà, 2 heures de retard. Bon, ben ça y est, on a réussi à passer à l'aéroport, on a passé la douane, etc. etc. Et on va pas tarder à embarquer. Bon, 10 heures. De vol. Bon, bisous.